Salut tout le monde, c'est Nobsy. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc voilà, Fortnite, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo dessus. Et aujourd'hui, il y a eu la nouvelle saison qui est sortie. Donc vas-y, let's go, on va y aller. On va directement lancer le jeu. Parce que là, je sais pas spoil du tout. Je vais faire me balader sur YouTube. Comme ça, j'ai vu Fortnite Battle Royale. Donc je me suis dit, ah déjà. Oui, pour le coup, là, je me suis dit, mais c'est super rapide. Parce que d'habitude, en fait, Epic Games, je sais pas pourquoi, mais ils mettent vraiment beaucoup de temps. Genre, en fait, ils décalent les saisons à chaque fois. Sauf qu'au moment où je joue pas à Fortnite, bah, ils décalent pas les saisons, vous voyez. C'est logique. Voilà quoi. Ok, let's go. Il y a Fortnite. Ok, matchmaking en cours. Et ça commence un match direct. Ah oui, d'accord. En deux cas, là, le temps passe, c'est Genesee. Qu'est-ce qu'il fait, Genesee? Oh, ça commence. Ah bah. Et qu'est-ce que je disais? Je ne l'arrête pas, il risque de tout annihiler. Vous devez sortir de là, c'est un ordre. Je vais tu faire depuis le tout départ. Je vais parler aux 7. Vous avez prêté serment, vous trahissez ce que vous... Waouh. Non, la faille. Elle a besoin de ça. Elle aura besoin de la faille, Genesee. Vas-y, let's go. Oh, la faille. Non, c'est la faille ou c'est quoi? Mais je pense que c'est une faille, non? Il est tombé dans un buisson. Oh wow. Il veut aller voir les 7. Wesh wesh wesh. Quoi ça? Il y a des Terminators? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Wow. Ils se font désintégrer. Ah mais ils sont tous en train de se fight en fait. Non, il y a ce clip. Banane. Banane. What? Ah ouais, mais il y a même une légende à Halo et tout. Ah oui, d'accord. Oh, bah c'est chaud. J'ai envie de dire. Let's go. Let's go, Genesee. Il a réussi. Oh, il a balancé la faille. Vas-y, vas-y. Dans le Nexus. Wesh. Il y a une météorite. Ah oui, je l'ai caché, attends. D'où il y a une météorite comme ça de nulle part? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. D'accord. Waouh. Eh mais attendez. C'est pas la météorite, il y a le visiteur là. Ou soit c'est un alien. Oui, c'est bien le visiteur, hein, on est d'accord. Bon, je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais... Oh, attendez, écoutez, écoutez. Non. Je peux vous trouver, Geno. Et les sœurs? Je peux vous les trouver, mais j'ai besoin de vous pour régler ça. Marché conclu. Pour l'instant. Voilà qui est rassurant. Il est temps de se mettre au boulot. Ouais, d'accord, mais il y a la faille qui est partie dans un délire, franchement. Incroyable. Ça, c'est notre billet retour. J'espère ne pas le regretter. Dis au boucleur de se préparer, il nous reste peu de temps. Le boucleur? C'est qui le boucleur? Encore toi? What? Moi? Non, oublie. Accroche-toi, on va sauver la... Mais c'est moi? C'est moi qui joue? What? Wesh. Qu'est-ce que t'as fait au point zéro? Mais c'est pas moi, il y a eu... un incident. Ah ouais, mais... Si c'est réparable. Plus grand. On n'en donnera pas. Ça, c'est le point zéro qui est petit. Préparez-vous. Quand le point zéro va éclore, plus moyen de faire machine arrière. Oui. Ah ouais. Oh non, des portails. Faut se cacher, là, je pense. Des portails. Des portails. La réalité s'effondre. Donc, on les ferme, c'est ça? À ton avis. D'accord, on s'en occupe. Oh. Ah oui, d'accord.
C'est quand même des sortes de portails. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? J'ai envie de voir. Attention aux vagues de réalité. Ah non, on peut pas. Oui, on fera attention. Les vagues de réalité peuvent tout transformer en... Ah oui, d'accord. Oui, c'est... Oui, t'es un papillon. Est-ce que tout va bien? Je suis un papillon, donc... J'ai la skin que j'aimais pas normalement. Bon, bah c'est à toi. Tu vas devoir être mes yeux et mes oreilles. Et mes bras. Et mes jambes. Il va falloir que tu... Tout bon, en fait. Je peux compter sur toi. D'accord. Allez, go. Vas-y, let's go. Ah, ok. Je dois cliquer dessus. Et je dois bien viser aussi. Ah ouais, d'accord. Let's go, Billy. C'est parti, on a réussi à fermer le portail. Mais je savais pas que ça allait être comme ça. C'est incroyable. Ce n'est pas bon du tout. Mais c'est magnifique. Magnifique. Wesh, on dirait une fleur. Il va me falloir plus de temps. Continuez. Compris. Je vois trois d'accord. Autres portails, mais le prochain est vraiment loin. Si seulement on pouvait... Oh oui, quoi? Je sais pas c'est quoi là. À terre. On trouve comment contourner les chasseurs. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a des arbres qui apparaissent. Ah. Laisse tomber, j'ai rien dit. Je suis un poussin, moi. D'accord. Superbe. Allez, let's go. Tiendra étudie le point zéro. Ouais. Il faut qu'on aille plus vite. Je vais pas tenir éternellement. Tenez bon, je nous transporte au troisième portail. Oh. Ah oui, il peut se téléporter, c'est vrai ça. C'est ce qu'il avait dit. Il y a des loups maintenant. Oh my god. Est-ce que je peux... Wow. Wow. Oh, je l'aurais tiré dessus. L'alternative commence à surgir. Il faut qu'on se dépêche. Oh, une vague de réalité. Oh, un grand humain. Je sais pas trop tramé, c'est toujours un papillon. La réalité doit avoir une dent contre moi. Vas-y. Ça te va bien. Eh ben merci. Ok, d'accord, il reste combien de portails encore? Ça va là-haut. C'est trop. Continuez. Il y en a plus qu'un. Tenez bon. Ouais, vas-y, let's go. Il est où? On a de la compagnie. Oh non. Non. Je me fais attaquer. Je me laisse attaquer. Vas-y. Oh yes. Let's go. Bien joué. On a réussi. Oh, mais c'est magnifique. Mais regardez-moi cette fleur. On dirait une fleur. C'était le dernier. Je crois qu'on a réussi. Yes. Oh, mais c'est trop beau en vrai. C'est intense. C'est clair. Ok, la prochaine étape est primordiale. Wow. Tout va bien là-haut. Ça n'a pas suffi. Je peux pas l'arrêter. Oh my god. Je peux contenir la déflagration. Il essaie de s'enfermer dans... Rien ne vous oblige à faire ça. Il va se sacrifier. Non. Pas question de partir avant que ce soit fait. Il a besoin de nous. Vite. Allez vite, on y va alors. Ah, on n'a pas eu le temps apparemment. Ah si. What? Ah oui, mais... Il y a des cristaux qui sont... C'est incroyable cet événement là. Ah, c'est même plutôt le début de la saison, c'est même pas un événement à limite. Mais ici c'est un événement. Non, il n'y a pas de planeur. Ah ouais... Ouais, c'est trop beau. Oh. Ok, je suis sur l'escalier. Une sorte d'escalier plutôt, on va dire. On s'était glissé là-dessus, non? Allez, vite! Let's go, Billy! On est au sommet. Oh yes, il est là. Est-ce que je dois rentrer dedans? Non! What? Il est KO? Chance! Non. On n'aura pas de deuxième chance! Tu dois verrouiller le point zéro et surcharger l'appareil à faille! Surcharger l'appareil? Je serai piégé dans la boucle! On devra tous les deux se battre pour en sortir. Quoi qu'il arrive, surtout n'abandonne pas. Je te retrouverai. Et là, tu me diras tout ce que tu sais. Vous avez ma parole!
À bientôt le visiteur. Oh my god. D'accord, il y a quelque chose qui pousse. Oui. What? Wow. Oh, c'était trop stylé. Mais les gars. Je m'attendais pas à voir ça, moi. Genre, je m'attendais à limite voir une cinématique et des trucs comme ça, mais je m'attendais pas à carrément jouer dans un événement. Au passe de combat saison 6. Nous sommes isolés. Nous sommes tous liés par une force primitive. Elle nous pousse à nous adapter. Mm-hmm. À courir sans relâche vers l'avant. Oh, le retour de l'arc, mais sauf que là elle s'enflamme, je pense. Genre elle n'explose pas, elle s'enflamme. Affronter nos plus gros. Wow. Ah, c'est un flâneur. Quelles qu'en soient les conséquences. Ah ouais, mais les screens en vrai, elles sont stylées. Pour nos propres ténèbres. Cette force primitive a besoin d'équilibre. Le cube. Il y a Monsieur le Poussin aussi. Sauvage, faites-en de même. Waouh. Instinct primitif, saison 6, Fortnite. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a le lama aussi. Le lama, j'avais pas vu juste avant. Donc en gros, ah, le lama, c'est pour genre le club. Ah d'accord, je vois. Et il y a le passe de combat qui est juste ici. Ok, ça c'est le skin du passe de combat. Ok, à John ici, stylé. Mais vas-y, on va cliquer sur acheter le passe de combat sans plus tarder. On a 5250 bucks et boum, c'est parti. Voilà, let's go. Flip Reset. Ok, d'accord. Passe de combat déverrouillé, let's go Billy. Ça fait plaisir. Du coup, oh, au niveau 1, il y a Agent Jones. Et puis après, je pense qu'au fur et à mesure, qu'on débloque, on peut débloquer les autres transformations d'Agent Jones. Sûrement, je pense que c'est ça. Donc, on va équiper pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Donc, Agent Jones, accroche-toi, on va sauver la réalité. Pour le coup, j'espère bien pour le coup, j'espère. Après, il y a icône de barrière. Ok, donc ça, c'est un skin épique déjà. Mon nom est Jones. Non, c'est qui? C'est Jones. Ensemble Agent Jones. Ok, ça fait partie de cet ensemble. Après il y a 100 V-Bucks. Après il y a Ultimate Jones. Ah oui d'accord. Il y a Jones partout quoi. Donc après il y a quoi? Il y a le pouce bleu. Ah oui d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit like hein. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Même Jones il le dit quoi. Vous l'avez. Pensez à un détail derrière vous aussi. Ah oui d'accord. C'est une emote, elle est gratuite. Et puis pourquoi pas prendre? Ouais, en plus elle est mobile, donc c'est cool. C'est cool quoi. En plus c'est gratuit pour ceux qui n'ont pas le pass de combat, vous pouvez l'avoir aussi. Après zéro, sauver la réalité en musique. Ah ouais, c'est la musique qu'on a entendue. Ah ouais, je vois. Nice. Compte à rebours lancé, le monde de la vérité zéro approche. Ouais. En tout cas, ça c'est stylé. Ouais, ouais. Après, il y a essentiel de survie, d'accord. Des petites arcs. Des petites flèches, je veux dire. Ok, petite caille. C'est quelle légende du gaming? D'accord, d'accord. Après, il y a le légendaire, genre les P-Bucks, quoi. Les yeux sur la cible, ça aussi, ça fait partie de série de légende du gaming. Ah, mais c'est le skin, en fait, je pense. Attendez. Paquetage de Jones. Ok, stylé le sac à dos. Ça va, j'aime bien, en vrai. J'aime bien. Mais il y a beaucoup de trucs épiques où je rêve. Et il y a Lara Croft de Tomb Raider. Waouh! Ah mais je m'attendais pas à genre voir Lara Croft. Je pense que je l'avais déjà vu genre normalement je pense qu'il devait être dans la boutique ou en buy comme ça là genre une saison auparavant. Je pense qu'il avait des leaks comme ça mais je suis pas sûr. Ah ouais mais stylé en tout cas. Stylé stylé surtout s'il a d'autres styles. Voilà. Ok nice. Et ben ça fait plaisir. Donc ça va avec l'ensemble Lara Croft quoi tout simplement. Donc après il y a aussi les pioches. Les pioches de Lara Croft. Des outils pour tous les usages y compris les plus imprévus. Flamme de spéléologue. Ok nice. C'est cool. Manœuvre d'esquive. Ah oui. Ah oui, mais les gars, mais c'est trop stylé ça. Waouh. Mais je veux que dire c'est trop stylé, mais c'est stylé. Vraiment. Manœuvre d'esquive. Ces séances de gym n'auront pas servi à rien. Ça c'est clair. On va le voir. 100 V-Bucks, parachute des récupérations. Ok, comment l'armée, j'ai l'impression. Ça fait aussi partie de l'ensemble Lara Croft, du coup. Enfin, je veux dire de l'ensemble série légende du gaming, mais bon, vous avez compris. Ok, c'est cool. Après, il y a icône de barrière. D'accord. Lara Croft, 25e anniversaire. Ok, d'accord. Là, c'est Lara Croft en mode, comment dire, un choix de style supplémentaire pour Lara Croft. Voilà. Quoi, c'est Lara Croft 25e anniversaire. Tout simplement. Donc, stylé. Charge jurassique. Oh, waouh. Ah ouais, mais c'est trop d'art là. C'est stylé. Attendez, l'arc-en-ciel ça bouge? Ah ouais, l'arc-en-ciel il bouge. Oh, mais c'est trop stylé. Donc, après, il y a chasseuse primitive. Il y a cri du crâne. Ok. Tyrachénosaure. Tyrachénosaure. Oui, d'accord. Autrefois pour les sauriens, aujourd'hui pour les vauriens.
Ok, d'accord. Une petite rime bien jouée. Franchement, cool. C'est stylé. En plus, la pioche, en vrai, ça va. Hein. J'aime bien. Elle est stylée. 120 bucks. Après, il y a quoi? Pactage de Jones, bon 15. C'est à peu près pareil que l'autre, ça, non? Ouais. C'est à peu près pareil, mais je pense qu'il y a un truc de différent. Attendez, il y a quoi de différent? Je pense que c'est la couleur du sac qui est différent. Je sais pas, la faille aussi, elle est peut-être un peu différente. Bon, voilà. Donc, après, il y a Tirana. Elle peut voir les images d'un monde depuis longtemps disparu. D'accord. Bon, là je suis en mode, elle a des arcs-en-ciel sur elle, elle est habillée un peu en mode préhistorique, on va dire. Waouh. Ok, c'est cool. Oh, il a une épée aussi sur la droite. Ok, stylé. En vrai, ça va. J'aime bien le skin. Donc, patrouilleur osseux, du coup. Un planeur. Oh, stylé en tout cas. J'aime beaucoup. Donc, après, il y a icône de barrière, spectacle de cartes. Oh. Ah bah cool, franchement c'est cool. Donc, élimination primitive. Ok. Après, il y a Dino Planche. Un skateboard de Dino Planche. Voilà, gratuit en plus. C'est épique. 120 bucks encore. Plume de Dino. Ok, ça c'est genre une traînée. Voilà, tout simplement. Oh, ça va. Ça va quoi. Et il y a Tirana. Enfin, Tarana, je veux dire. Armure extinction. Armure d'extinction. Ok, d'accord. Stylé en vrai. Je confirme, c'est vraiment cool. Donc, après, waouh, il y a le cube. Ah oui, d'accord. Ça, ça ressemble très clairement au cube. Oui, il vient de la même matière en fait. Donc, outil de collecte, hache cristalline des maîtres. Sa lame a été taillée à partir d'un unique cristal du point zéro. J'ai pas au courant qu'il y avait des gens qui taillaient leur lame du cube, mais bon. Ok, ok. Bah, c'est cool pour le coup. Ce piège a l'air vraiment épique pour le coup. Et en plus, il est épique. Oui, donc voilà. Il est épique dans tous les cas. Let's go. Du coup, Vléodacolyte. Donc, ça, c'est un peu animé aussi, comme on peut le voir. Et puis, en vrai, c'est stylé. Il y a des sortes d'hiéroglyphes du cube. Voilà. Après, il y a Maître des glyphes. D'accord, d'accord. 100 V-Bucks. Gros fracas. Et ouais, mon gars. Donc, icône de barrière. Le chercheur de glyphes. Ok, ok. C'est le gars avec le costume en forme de cube, là. Genre, avec la matière du cube, je veux dire. Ouais. Elle est cryptique. Il y a beaucoup de trucs avec le cube. Waouh. Ok, mais ça, c'est super stylé en vrai. Ça ressemble à un planeur en limite basique, quoi. Mais avec le cube, en plus, ça rajoute quelque chose, quoi. Voilà, quoi. Donc, ouais, c'est stylé en vrai. En plus, c'est animé un peu comme ça, on peut le voir. Okay, après, parchemin infini. Waouh. Oh, mais c'est trop stylé. Genre, c'est un sac à dos légendaire. Ah oui, quand même. Il mérite bien d'être un sac à dos légendaire, hein, pour le coup. Voilà. Eh, mais en vrai, c'est stylé. En plus, il est animé et tout. J'aime beaucoup, quoi. Déroulez-le indéfiniment. Ah, d'accord. En gros, c'est un infini. Comme lui, il l'avait dit. Donc, elle cryptique, c'est comment elle vole grâce au pouvoir des glyphes. D'accord, d'accord. 120 bucks. Feu chromatique. Ah ouais, stylé, en tout cas. C'est vrai, ça va, j'aime bien. J'aime bien les couleurs un peu néon, là, comme ça. Cool. Donc, pactage de Jones. Bon 31. Mais je comprends pas, mais c'est quasiment pareil, en fait, ce sac à dos. D'accord. Bon, un choix de style supplémentaire pour le pactage de Jones. Bon, bon, bon. C'est bizarre, hein, parce que j'ai pas l'impression que ça change énormément. C'est peut-être juste la couleur, en fait, qui change, et du coup, j'arrive pas trop à remarquer. Donc, voilà. Après, il y a Raz. Ah oui, Raz. Ah ouais, mais lui, c'est un BG, les gars. On est très clairement d'accord, là. Wow. Avec sa pose, comment dire, sa pose. Voilà. Sa pose légendaire, hein. Sa mission, découvrir le secret de la flèche. C'est quoi, ça, la flèche? Bah, très clairement, moi, je peux te dire le secret de la flèche. Le secret de la flèche, c'est, il y a du bois, et au bout, genre, un bout pointu. Genre, une flèche, quoi, tu vois. C'est tous les secrets de la flèche. Donc, c'est étrange. Exprimez-vous sur le champ de bataille. Oh, c'est animé. Cool. C'est quoi, ça? Posture onirique. Léviter grâce... Quoi? Oh, quoi? Mais attendez, mais je rêve pas, les gars. C'est bien une emote légendaire. C'est la première fois qu'il y a une emote légendaire dans Fortnite, on est d'accord. Il a jamais eu d'emote légendaire avant ça. Ah ouais, mais c'est trop stylé. Posture onirique, léviter grâce au pouvoir des glyphes. Mobile et intégré. D'accord, c'est seulement pour lui et c'est mobile. Ah ouais, mais les gars, mais c'est incroyable ça. Waouh, j'ai trop envie de voir. Voilà quoi. Donc après, il y a arc plasmique. Voilà, en vrai, ça va, c'est stylé. Et surtout pour nous cacher la vue, hein, je crois. Mais bon, voilà, c'est gratuit, on prend, c'est tranquille. Et puis, c'est stylé surtout. Donc, l'aile et la cuisse. D'accord, ok. Bon, bah, c'est le poussin qui tient la cuisse, hein, j'ai envie de dire. Tout simplement. Après, il y a quoi? Un cadeau de sa maman. Ça qu'elle a coqué. Ouais, d'accord. Ok, ok. Bon, bah, ça va, on dirait un œuf de Pâques, non? Donc, après, il y a des cuisses de poulet, d'accord, très clairement, c'est gratos. Après, il y a 100 V-Bucks aussi. Œuf flottant.
Oh, c'est trop stylé. Bon, il a pas de tête, mais c'est trop stylé. C'est super stylé en vrai. Il est un peu timide. Oui, on peut le voir. Hein. Il cache bien sa tête. On peut le voir, ouais. Donc, après, il y a paquetage de Jones, bon 42. Attendez, je pense que c'est un peu plus rose, non, que d'habitude. Genre, il y a un peu plus d'effets, etc. Non. Et si je regarde le tout premier là, il y a un peu moins d'effets, genre comme ça, on est d'accord. Ah ouais, ça c'est plus petit en fait. Ensuite, c'est un petit peu plus grand. Et... ouais, d'accord. J'ai compris. Ok, bon. En gros, c'est ça qui devient de plus en plus grand. Et puis ensuite, je pense que c'est limite en train d'exploser quoi. Ok, donc après, il y a Piu Piu. Oh, mais il est BG lui aussi. Non, mais très clairement, les gars, on est d'accord. Il est surtout mignon. Mais... voilà quoi. Ouais, il a même la médaille de Fortnite là, avec le logo, vous voyez. Ah ouais, mais c'est trop stylé. Il se téléporte, les gars. Attention, 3, 2, 1. Vous savez pas que c'était des portes. Donc, Piu Piu, il est épique. Franchement, c'est cool. Limite, même légendaire, hein, ça ira. Hein. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qui est jaune et qui est dangereux? C'est Piu Piu. Et donc, beatboxing. Yeah, boy. Ah ouais, mais Genesis, il s'enflamme, hein, là, très clairement. Je me fais rire. Trop envie de voir cette emote. C'est quoi, ne battez pas juste pour le rythme. Soyez le rythme. Ok, donc après, il y a cuisse charnue. N'oubliez pas la sauce. Ouh. Mais c'est trop mignon, et j'ai pas envie de m'en servir comme pioche. J'ai envie de manger ça, moi. Mais regardez, genre, c'est parfumé et tout, là, c'est chaud. Aïe, ça donne trop envie de manger, hein. Waouh, donc, bon, la prochaine fois, les gars, que vous mangez du poulet, n'oubliez pas la sauce. Après, il y a petit cucu. D'accord. Petit poussin. Affichez votre style. Et c'est réactif aussi. En gros, quand tu fais un kill, si je me tombe pas, ça change, c'est ça? Ensemble, expert en explosif. D'accord. Donc après, il y a sac à la coke. Bleu vagesque. Oh, ça me rappelle quelqu'un, ça. Ça vous rappelle pas quelqu'un, vous? Bah, si, ça vous rappelle quelqu'un. Très clairement. J'ai l'impression, de plus en plus, ça avance. De plus en plus, il y a des trucs bien, en fait, dans ce chapitre. Parce qu'au début, c'était super bien. Très clairement, il y avait l'arrivée de l'eau, super stylé et tout, vous voyez. Et le fait qu'on peut nager. Mais genre, il y avait pas vraiment autant de trucs pour vous dire. En gros, je pense que ça sera comme dans le chapitre 1. Genre, vers la saison 8, 7-8, ça va commencer à devenir vraiment... Il y aura du peps, quoi. Donc, après 120 bucks, après Piu Piu, bleu vagesque. Ok, vraiment stylé, Piu Piu. Et voilà. Il est marqué Slurp. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Pour le coup, c'est un choix de style supplémentaire. Et puis... j'aime bien. Donc, esprit sauvage. Wow. Yeah boy. La musique la plus épique de tous les temps. Donc, esprit sauvage, retourner à l'état sauvage en musique. En vrai, j'aime bien cette musique. Fille de Trigon. Oh, ça me dit personne. Elle vient d'où? Elle vient... je crois sort d'un comics que j'ai pas vu. Oh, c'est trop stylé. Ah oui, série DC, a marqué. C'est la série DC. Une DC Comics. Un truc comme Marvel, un studio comme Marvel quoi. Ok, mais c'est trop stylé ça, planeur. Mais regardez-moi ça, il est trop stylé. J'ai trop envie de l'avoir. Après, il y a pouvoir d'Azarath. Bon... oh. D'accord, c'était animé. Éclosion 0. Wow. Ah oui, mais c'est stylé. C'est vraiment stylé, stylé, stylé. Hein. J'aime beaucoup. J'aime énormément, quoi. Donc après, il y a pactage de Jones, bon 88. Waouh. Ah oui, d'accord. Là, c'est chaud, quoi. Pour vous dire, c'est sur le point d'exploser, carrément. Voilà. Je pense qu'à la fin, ça va exploser, très littéralement. Ok, donc après, Rubirth Raven. Ah, c'est elle. C'est elle, la fameuse héroïne. Fille d'un démon et membre fondatrice des Teen Titans. En vrai, ça va, ce skin, mais voilà, ça va. Le skin, je l'aime bien. J'ai pas qu'il le machin. Mais genre, son ensemble. Par contre, c'est vraiment incroyable, genre le planeur et ça. En plus, c'est gratuit. Mais c'est gratuit en plus. Mais prenez les gars. Très clairement. Mais c'est trop beau. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Contrôlez-les. Donc sans Rebirth. Enfin, non, je vais dire sans Rebirth, que c'est pas sans Rebirth. Donc, une colère de Raven. Ok, créé par Jacob Rebelka. Grosse dédicace à toi. Bon. Icône de bannière. Voilà, tout simplement. Portail interdimensionnel. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est trop stylé. On dirait un peu genre le sac à dos du skin Galaxy. Non, ça ressemble un peu. Ah ouais, mais c'est vraiment stylé en tout cas. J'aime beaucoup. Azarath, Métrion, Zintos. Waouh, oh, c'est trop stylé. Ça a fait un lama et ça a explosé. Ah ouais, mais on a des pouvoirs carrément. Je kiffe vraiment ce pass du combat. Genre, vraiment de chez vraiment. Mais bon, je kiffe vraiment, vraiment ce pass du combat, quoi. 120 bucks. Donc, après, il y a Raven classique. Ça, c'est, je pense, comme dans les comics, quoi. Et dans l'autre, ils ont fait un peu à la Fortnite. Je dirais. Voilà. Donc, un choix style supplémentaire. Du coup, pulsation de la flèche. Affichez votre style. Oh, c'est animé. Bon, ça va, en vrai. Ça va, c'est stylé. Donc, dans l'ombre de la flèche. Cet arrière-plan, il est stylé, en vrai.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment stylé. Donc après il y a icône de barrière, bannière, je veux dire, pas barrière. On dirait un peu Miosculé, non? Ouais, j'ai l'impression. Donc après il y a feu de la flèche. C'est un planeur. Ah ouais, mais c'est trop trop stylé. En fait, je sais pas combien de fois j'ai répété trop stylé, les gars. Est-ce que vous êtes capable de marquer ça dans les commentaires? Combien de fois j'ai dit trop stylé? En tout cas, ça va être chaud. C'est vraiment stylé, quoi. je l'ai encore dit, mais c'est incroyable. Ouais, on dévite. J'aime beaucoup. Donc après, il y a Bananon. Ou Bananon, pour dire genre non. Ok, donc Extremus sur le champ de bataille. Pif, paf, pouf. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Ça fait bim, bam, boum. Bon. On va passer à la suite. 100 V-Bucks. D'accord, ok. Après, guide spirituel. Oh, d'accord, ça c'est comme le planeur, mais en gros, on va dire, c'est comme ça. Ouah, c'est des mains. Ah ouais, mais ça fait flipper, ça. Quoi, c'est gratuit. Ah oui. Mais pour ceux qui n'ont pas le pass de combat, ils se sont fait khalas, là. Très clairement. Waouh, c'est gratos. Oh, bah, c'est trop cool. Ah ouais, le gardien de la flamme de la flèche. Ça fait beaucoup de là. Le gardien de la flamme de la flèche. Ok, donc après, il y a électro-émanation. Oh, j'aime beaucoup. C'est super stylé. Après, il y a maîtresse de la flèche. Ok, ça va. Flamme de la flèche, ils ont des problèmes avec la flèche, ça. Mais bon, ok, d'accord, c'est stylé, c'est vraiment stylé cette pioche, vraiment cool. Après, il y a icône de barrière, donc esprit de la flèche. Oh, ça c'est la transformation, d'accord. 100 V-Bucks. Et le skin final, assassin de la flèche. Waouh, mais c'est trop stylé ce skin. Elle défend un monde au-delà de la réalité. Ah ouais, mais les gars, mais c'est plus qu'incroyable en fait. Waouh. Eh mais ce pass de combat, j'ai bien fait de l'acheter. Et donc, gardienne de la tour, impossible de faire demi-tour. Ah, c'est une emote. Ok, d'accord, ça c'est quand elle se détransforme, quand elle enlève son masque. Ok, bon bah c'est vraiment vraiment stylé, quoi, j'ai envie de dire, tout simplement. Et puis après, il y a aussi des trucs avec d'autres défis qu'on peut débloquer. On a à accomplir des quêtes de niveau épique, etc. Vous voyez. Ok, Miss Poisson, il y a Épouf. Voilà, c'est un petit burger. Ah non, Épouf, c'est ça. Oh, c'est une emote. J'aime trop cette emote. Bon courage pour vous relever. J'avoue, quand t'es sur un pouf comme ça, clairement, surtout si c'est une banane, vous voyez. Genre, franchement, pour vous relever, les gars, faudra vraiment faire un très gros effort. Oui, Ça m'a tué d'arrêt. On dirait vraiment Lara Croft dans genre vraiment le tout premier jeu vidéo sur Lara Croft, quoi. Ah ouais, mais les gars, waouh. Ok, bah ça peut être cool pour le fun. Vraiment, vraiment. Les skins sont très très originales. Comme l'avait dit Naven. Dédicace à toi au passage. Donc voilà, c'est vraiment très très original. Et Tarana Indigo. Ok, c'est stylé. Toujours aussi stylé, j'ai envie de dire. Après, il y a Piu Piu et Explosive. Ah, c'est lui et Explosive. D'accord, il a une croix. Je pense pas qu'il a une croix sinon. Je pense qu'il a un poussin plutôt au milieu. Là, on dirait qu'il veut nous tuer là. Calme-toi, s'il te plaît. Donc, il y a Rachel Roth. Ok, donc ça, c'est. Je pense que son mode, genre son costume normal, j'ai envie de dire. Pas genre quand elle est transformée, on va dire, en super héroïne. Ok, d'accord, ça, c'est point d'interrogation. Et puis, c'est tout pour le moment. Et bon, bah, vous savez quoi, ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, on a bien découvert la nouvelle saison et tout. Ça fait super plaisir. Donc, ouais, sur ce, les gars, moi, je vous dis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si bah, cette découverte et l'achat vous a plu de cette nouvelle saison, vous voyez. À vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortent. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis sur ce, les gars, moi je vous dis, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, en passage, si la nouvelle saison vous a plu, etc. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo ou à live. Ciao tout le monde et peace!